Hey, bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne, moi c'est Evi Maoïté. Je vous reçois spécialement dans ce vlog durant lequel nous allons parler des différentes transitions qui vont vous aider à mieux réaliser vos vlogs. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que à activer la cloche pour recevoir pas mal de vidéos par la suite. Lâchez-moi plein de pouces bleus, sans plus tarder, passons à la première transition. Alors voilà la famille, la première transition, elle est la plus basique utilisée par plein de youtubeurs et ceux qui ne sont même pas sur YouTube. Ça consiste simplement à mettre sa main sur l'objectif. Voilà. Voilà. Et la retirer tout en changeant d'endroit. Il suffit d'être rapide et de couper le parti non désirable au montage. Pour la prochaine transition, nous allons nous servir de notre corps. Voyez ce que ça donne. Voilà la famille, du reste, il vous suffit d'être créatif. Servez-vous de votre corps, servez-vous de votre main, servez-vous soit de votre pied, soit d'un œil carrément pour passer d'un endroit à un autre, couper au montage et ajuster les deux parties pour que ça fasse un très bon effet. Donc voilà, on va se servir un tout petit peu de l'œil pour passer à la prochaine. Donc voilà la famille, il suffit simplement d'être aussi rapide, créatif, utiliser tout ce qui vous vient à l'esprit pour réaliser une très belle transition pour vos vlogs. Donc voilà, certains se permettent de bouger la caméra, d'autres se permettent de mettre la caméra sur la jambe et d'autres s'en servent en tout cas de différentes manières. Ça dépend de vous, soyez créatifs et nous allons passer à la prochaine. Let's go! Voilà la famille, il vous suffit d'être créatif pour pouvoir réaliser des transitions uniques que vous ne pouvez trouver chez personne d'autre. En tout cas, moi je vous aime et je vous fais un gros bisou. Ne sois pas jaloux les gars qui est là. Ah ouais, ma famille t'aime aussi. Donc voilà, coupez le moment où vous faites votre transition et collez tout le deux au montage, c'est-à-dire le deux parties au montage pour avoir un très bon effet, un effet unique carrément. Donc voilà. Voilà la famille, comme je vous l'ai dit, il suffit d'avoir de l'imagination simplement pour pouvoir réaliser de belles transitions. Donc voilà, passons tout de suite à mes préférés. On enlève la casquette et puis... Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ces différentes transitions, n'hésitez pas à me lâcher plein de pouces bleus. Vous qui me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir pas mal de vidéos par la suite. Moi, c'est Evi Maoïté. Je vous dis ciao.